en soulignant le caractère historique de cette visite, qui est la première depuis les indépendances. Il s'est surtout réjoui de la qualité des rapports entre les deux peuples et l'excellence des relations entre leurs dirigeants. Il a aussi exprimé les grands espoirs que suscite la République démocratique du Congo dans la renaissance de l'Afrique subsaharienne. Dans le cadre du renforcement des relations entre les deux institutions, il a eu des échanges respectivement avec les bureaux de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat. En marge de l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation ont visité le samedi 16 mars 2013 l'hôpital du Cinquantenaire. Par ailleurs, conscient de la nécessité de maintenir ces relations au beau fixe entre les deux chambres législatives, les deux présidents d'Assemblée ont convenu de créer au sein de leurs institutions un groupe d'amitié RDC-Côte d'Ivoire, et cela dans le meilleur délai.